Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels. De Grégoire, Omnisport, le premier ballon d'or du Sénégal a été formé à la Linguère de Saint-Louis, mais le deuxième ballon d'or provient du centre académique Génération Foot. Donc Génération Foot le Djougué, ça montre que Génération Foot actuellement, il a été créé en 2003 et 16 ans plus tard, il nous forme un ballon d'or en l'occurrence Sadio Mané. Donc de lundi l'immolteï du même jour il y a une Génération Foot centre B, vraiment c'est une réussite pour le football sénégalais. Donc c'est Habib Diallo qu'on va citer en premier lieu. Habib Diallo, actuel meilleur buteur sénégalais en première division française, donc dans mon compte deuxième meilleur buteur de la Ligue de France. Donc vraiment moui accédé à l'académie en 1995, il s'est très vite adapté au championnat de France. Donc mon vraiment c'est le très haut niveau Habib Diallo. Actuellement il a 24 ans, il est mobile et il est aussi bon en pivot. Motax il est mobile parce que donc l'autre Aliou Sidik utilisé des fois comme excentré, parce que bien sûr là face à l'Eswatini dougul comme attaquant de pointe, mais comme excentré droit l'inco footballeur. Donc Metz aura fort à faire pour conserver sa pépite Habib Diallo. Habib Diallo c'est une réussite pour Génération Foot. Diafra Sakho aussi c'est une réussite, hein, même si actuellement il connaît des difficultés, mais il est passé par Génération Foot. Mouy ñew FC Metz en 2006, donc 2006 le FC Metz. Après il a été donc meilleur buteur du championnat français de deuxième division avant d'aller à West Ham en Angleterre pour 8 millions d'euros. Donc vraiment c'est le très haut niveau. Donc première saison en championnat anglais, donc mouy am 10 buts en championnat, mais après il a eu quelques complications par Génération Foot. Donc qui dit Diafra Sakho dafa xawam ben donc dafa xawam ay problème d'hygiène de vie, lolou mo xaw son, mais c'est un très grand attaquant. Donc Pape Dembélé aussi mom c'est un modèle de réussite, hein. Vraiment pour ses deux dernières saisons à Metz, il a inscrit 23 buts en Ligue 2 avant d'aller à Fribourg mu toj ko dem Newcastle toj ko Rajah. Donc Cissé a frappé fort, hein. Vraiment première saison Allemagne face Fribourg mu dougal 22 buts, actuellement il caragole avec 16 buts en Super League turque. Donc c'est pour dire que vraiment Papi Zemo Cissé, il est en pleine forme à 34 ans, il continue d'être performant. Donc durant toute sa carrière il a marqué 174 buts et c'est un bas encore fini Diakhoul, hein, Diakhoul lui nerf na Papi Zemo Cissé aussi, c'est une réussite du centre de formation Génération Ismaël Assar aussi ñep xam nañ ko, actuellement 5 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Donc première saison lolu la am. Donc c'est pour dire que Ismaël Assar mom mo gëna toj nak première saison en France bokku na ci jour général fu ci gëna toj, parce que mu dafa ñow rek adapté wu après mu dem Rennes. Actuellement il est à Watford, daw Rennes il a qualifié le Stade Rennais pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue donc européenne. Donc gis nañ né vraiment Ligue Europa mo qualifié pour la première fois de son histoire le Stade Rennais en 16e de finale. Actuellement mo nek le transfert le plus cher de Watford, 6 buts et 4 passes décisives tout comme sont confondus. Donc vraiment Ismaël Assar gis nañ ko kérok, il a dominé et renversé les restes de Liverpool. Donc Ismaël Assar aussi réussite le, et la plus grande réussite c'est Sadio Mané, le ballon d'or africain comme ni ngay gissé mo ngi tok ci photo, il a été le roi en Afrique en 2019. Donc Sadio Mané vraiment c'est le très haut niveau. Mon Ligue 2 le commencé après mon dem Salzbourg, vraiment c'est le très haut niveau. 47 matchs avec Salzbourg, 45 buts et 32 passes décisives. Ensuite mon dem fay ci Southampton Tokyo Rajah ñeu Liverpool, il a tout gagné avec les restes de Liverpool ou bien presque, parce qu'il reste le championnat anglais qu'il va bientôt soulever au mois de mai. Donc voici les 5 joueurs qui illustrent la réussite de Génération Foot: Habib Diallo, Diafra Sakho, Papi Zemba Cissé, Ismaël Assar et Sadio Mané. Et le point commun sont des attaquants. Et attaquants, nous sommes tous attaquants. Et ils font la fierté de Génération Foot. Donc, Warul Tid, Warul Ragal, on attend les autres joueurs, hein, la relève, nous Ibrahim Niang, on attend la relève. Donc, nous Amrou, Djandjaï, nous Pam Djagayad, on attend la relève de Génération Foot.